moi je vais juste un peu vous expliquer tout ce que j'ai fait sur le domaine. Je voulais juste vous faire un peu quelques informations qui sont pour moi très importantes. C'est l'avancée sur mon domaine régulièrement et step by step, c'est-à-dire marche par marche. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on gravit les marches, on se sert du savoir qu'on a acquis sur la première marche pour gravir la deuxième. Alors, il y a juste une chose pour moi qui est très importante, c'est que les marches soient en granit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas quand on est à la cinquième, on se casse la gueule et qu'on se retrouve en bas. Donc, moi, je fais des marches en granit. Donc, ça, c'est pour moi très important. Et dans aussi quelque chose qui est pour moi primordial, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est dommage qu'il ne soit pas là parce que j'aurais aimé vraiment l'avoir à côté de moi, c'est Fabien Gaveau, parce que je me suis de plus en plus tourné vers ce qu'on appelle une agriculture historique. Parce que pour moi, c'est juste indispensable. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je vais vous les expliquer au fur et à mesure, que j'ai compris, et entre autres grâce à des gens comme Fabien Gaveau. Donc on va partir du tout début. Hein. Donc de tout temps, la Corse a fait partie d'un paysage agricole. Nous comptons de nombreux vestiges, comme le disait Fabien, mais bon, nous par exemple, dans notre région, on a retrouvé des jarres étrusques donc de moins 1000 ans avant Jésus-Christ, au large de Campomor, dans le golfe du Valinc. Hein. Et donc de tout temps, la vallée du Tarve elle a eu aussi une histoire viticole. En effet, des vignes étaient plantées du bord de mer jusqu'en montagne et en très haute montagne. C'est de là qu'en fait je viens, et donc ma famille a toujours travaillé de tout temps la vigne, avec au départ une viticulture de montagne. On a encore dans notre maison de Tsigavo des caves qui existent encore, hein. Et donc c'était vraiment une agriculture que j'appelle avec une consommation locale familiale. Ensuite, mon grand-père, lui, a commencé à planter dans les années 50 le domaine donc dans la région de Casalabrive, et qui a été ensuite repris aussi par mon père à partir des années 60. Donc, dans les années 60, il y a eu tout ce bouleversement en Corse avec l'arrivée des pieds noirs, avec l'arrivée des nouvelles techniques, avec la modernisation, avec la mécanisation. Donc, forcément, il y a eu quand même, on va dire, une envolée des plantations. Et mon père aussi en a fait partie. Donc, il a replanté encore des vignes qui étaient au départ de 3-4 hectares. Lui a augmenté, il est monté jusqu'à à peu près 30 hectares. Mais en même temps, il a commencé aussi un travail en parallèle sur la recherche des vieux cépages. Alors à l'époque, il était donc président de la Chambre d'agriculture, et avec la collaboration de M. Mille et de M. Henrich, les ingénieurs qu'il avait avec lui, il a entrepris tout d'abord un travail de recensement des cépages en allant un peu partout dans les différentes régions, les micro-régions de Corse. Et par la suite, donc, avec toutes ces informations qu'ils avaient, ils ont créé la collection ampélographique avec 17 cépages corses que j'ai encore d'ailleurs sur le domaine. Donc cette collection, c'est très important. Vous avez ici le travail de 10 ans de suivi sur cette collection, avec de 1965 à 1975, avec un travail quand même pour l'époque, en tout cas, je peux le dire, très pointu, très précis. C'est vraiment pour moi quelque chose de très important. Et donc à partir de ces travaux, donc il y a eu cette publication.
et beaucoup d'informations ont été données justement par rapport au classement. Lilian en parlait tout à l'heure de porte-greffe, puisque le phylloxera était passé par là, donc on était forcément sur porte-greffe, mais justement différents porte-greffes, dont un que Lilian n'a pas cité, mais que j'utilise de plus en plus. Et ensuite, il y a eu aussi tout un tas d'informations avec des tableaux comparatifs sur les rendements, sur les degrés sucre, les degrés alcool, et à la fin, une création de fiches ampélographiques pour tous les cépages corses, avec des informations qui, pour moi, aujourd'hui, sont primordiales. C'est les caractères phénologiques, les résistances aux maladies et les valeurs technologiques de nos vins. Donc ce travail et ce recueil qu'a fait à l'époque mon père avec la Chambre d'agriculture est pour moi la Bible des cépages corses. Donc mon père malheureusement est décédé en 76, donc vous voyez juste après tout ce travail. Hein. Et bon, moi j'ai repris en fait le domaine qu'en 1992. Donc il y a eu une période un peu de flottement durant ces années. Et pour moi, même dès 92, ça a été quand même très compliqué, parce que bon, vous savez, quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de matériel, bon, ben, je dis souvent, j'étais un mauvais conventionnel. Mais petit à petit, m'est apparu évident de me tourner vers une autre agriculture, une agriculture plus responsable. Hein. Donc, durant 8 ans, j'ai consacré principalement mon travail à la remise en état du vignoble, avec à l'époque, et je le regrette un peu, de la restructuration. C'était aussi se protéger des animaux, parce que nous en Corse ici, moi j'habite dans une zone où il y a très peu de végétation, très peu d'agriculture, donc il faut se protéger des sangliers, donc les clôtures, hein, et puis ensuite ce que j'ai fait en parallèle. Et je les en remercie, les enfants de Guy Depoix qui sont là. Guy Depoix qui m'a beaucoup soutenu avec le domaine Peraldi, qui m'a permis de créer ma première cuvée, mon premier vin, et qui m'a suivi comme ça pendant 10 ans, qui m'a permis de me faire reconnaître au niveau du vin. Puisque moi j'avais choisi de me plonger vraiment et de me consacrer sur la partie vraiment agricole. Alors ensuite, bon, il y a justement ce qui est nous retient aujourd'hui tous ici, c'est l'année 2000 avec le tournant qu'a été dans ma vie l'agriculture biologique et la biodynamie, parce que j'ai découvert, on va dire presque en même temps, l'agriculture biologique et la biodynamie, en sachant que j'ai commencé la biodynamie au départ sur à peu près 6 hectares et que dans l'année, j'ai passé tout le domaine en biodynamie. Alors donc, j'ai eu plusieurs rencontres en fait avec la biodynamie. Ce que disait tout à l'heure Paul-Antoine, c'était très intéressant. Et je vais donner mon expérience, parce qu'en fait, il suffit d'un peu observer et regarder ce qui se passe autour de nous pour comprendre ce qu'est la biodynamie. Et donc, en observant la nature, j'ai pu faire un constat qui pour moi aujourd'hui est évident. C'est qu'il y a des plantes qui poussent naturellement. On en a plein autour de chez nous, la myrte, l'arbouse, la figue de Barbarie, qui sont des plantes qui produisent en quantité, de qualité, qui n'ont jamais de problème de maladie, qui n'ont jamais de problème de stress hydrique. Mais par contre, il y a une condition qui est très importante pour ces plantes-là, enfin, que j'ai constatée, c'est que l'homme ne s'en occupe jamais. Et donc j'ai compris à ce moment-là que l'agriculture qui se rapprochait le plus de ce système naturel était la biodynamie. Pour moi, la biodynamie n'est pas juste une agriculture parmi tant d'autres. C'est surtout et avant tout une approche philosophique et sensible de celle-ci. Pour appuyer ces propos, je vous raconte ma deuxième rencontre avec la biodynamie sur un aspect plus, on va dire, philosophique. Et lors d'un repas avec des viticulteurs, je découvris, quelques années en arrière, hein, une agriculture qui me paraissait idéale, magique.
En effet, tout au long du repas, ils n'ont pas arrêté d'encenser la biodynamie, ils n'ont pas arrêté de subjuguer la biodynamie en me disant c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que quand vous écoutez des gens qui vous parlent de biodynamie, souvent il y a un côté un peu extraordinaire. Donc forcément, ça m'a vraiment interpellé. Mais au fur et à mesure du repas, je commençais à me dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un doute qui s'installe. Et forcément, à la fin du repas, je leur ai posé la question, qui a été en fait la question fatidique, mais qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, parce que je leur ai dit, mais vous, forcément, vous êtes en biodynamie. Et là, ils m'ont dit, non, pas du tout. Et en l'espace de 5 minutes, ils ont détruit la biodynamie. Mais moi, pour moi, ça avait été quelque chose d'impressionnant. Je me suis dit, mais comment on peut parler avec autant d'enthousiasme, autant de cœur, autant de volonté d'une agriculture alors qu'on ne la pratique pas et au contraire, on la déteste. Et donc, je me suis posé la question et donc j'ai compris à ce moment-là la force de la biodynamie. Donc c'est cet aspect, on va dire, hein, comme je vous disais, ésotérique que j'ai appris, c'est qu'en fait, tout au long du repas, l'approche de ces gens-là, de ces vignerons, de ces viticulteurs, a été plutôt inconsciente. Alors que forcément, quand je leur ai posé la question, on est revenu dans le conscient, et là, ils étaient incapables d'y répondre, et incapables de défendre la biodynamie. Donc ça, c'est une petite aparté. Ensuite, il y a eu l'année 2003, qui a été pour moi, tout à l'heure aussi, Paul-Antoine en a parlé un peu, des expériences qu'on fait avec la biodynamie, qui peuvent être quelquefois heureuses et quelquefois un peu plus malheureuses, mais c'est là qu'on comprend aussi certaines choses. Donc 2003, vous vous rappelez, c'était une année de canicule extrême. Ça a été une année où on a eu vraiment des gros problèmes sur les vignes. Et donc moi, je démarrais la biodynamie, comme Paul-Antoine maintenant, donc ça faisait 3 ans. Et j'appliquais, on va dire, un peu bêtement les principes de la biodynamie en disant il faut faire des traitements de compost de bouse mariatoun, des bouses de corps, des silices, enfin voilà. Sauf que, bon, vous savez que la silice, ça a un effet chaleur, un effet feu, un effet fructification, mûrissement, ahoutement des bois, création d'amidon, et donc incompatible. Surtout quand les vignes ne sont pas capables de comprendre cet effet avec des moments de grosse chaleur. Et donc suite à un traitement à 3 grammes hectares de silice, hein, sur une parcelle de 2 hectares, j'ai ramassé 2 tonnes de raisins secs. Et là j'ai compris l'écart entre l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique et la biodynamie. Pour moi, je suis persuadé que dans les 2 premiers cas, le seul juge est l'homme, et l'homme malheureusement triche. Alors que pour le troisième cas, l'agriculture biodynamique, le seul juge est la nature, et donc il est impossible de tricher. L'homme, par rapport à tout ça, peut être chef d'orchestre, et c'est déjà extraordinaire, mais en aucun cas il ne peut être homme orchestre. L'agriculture, pour moi, est une adaptation de la nature. Je pense que c'est vraiment ce qui est au centre de tout ça. Et c'est une adaptation de la nature pour l'homme et non pas par l'homme. Cette année-là également, j'ai pris un nouveau départ avec j'ai arrêté la collaboration avec le domaine Peyral, puisque j'ai commencé à faire ma cave. Et donc forcément, toutes ces années m'ont permis d'avoir déjà ce bénéfice de 10 ans d'ancienneté avec déjà ma marque, et du coup j'ai pu prendre mon envol aussi avec ma cave. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à avoir des envies de thématiques différentes et que j'ai voulu développer sur le domaine. Alors d'abord j'ai commencé, comme je vous en ai un peu parlé au début, à pratiquer une agriculture que j'appelle historique, avec des cépages traditionnels, une viticulture ancestrale, avec de la traction animale et un lien indéfectible avec la nature.
Et par ailleurs, j'ai commencé aussi une recherche de plus en plus poussée concernant différentes problématiques, et entre autres les maladies du bois, le greffage, le surgreffage, le recépage. Alors, par pratique historique, j'entends mettre de côté, sans toutefois les abandonner, beaucoup d'informations techniques et scientifiques transmises tout au long du XXe siècle, où nous avons vu tous les excès de l'homme par rapport à la nature. Bien entendu, je ne parle pas des principes de la biodynamie qui ont été aussi donnés au XXe siècle par Steiner, mais ça, c'est encore autre chose. Et donc, je me suis consacré à apprendre l'agriculture que pratiquaient nos anciens. Parce que, bon, vous savez qu'en Corse, ça fait très longtemps qu'on pratique de l'agriculture et de la viticulture, et donc ça m'a vraiment intéressé. Et nos anciens, en fait, travaillaient beaucoup sur la base d'observations de la nature et des astres. Selon moi, à l'heure d'aujourd'hui, il est primordial de consulter notre histoire agricole. Et Dieu sait que nous en avons. La preuve, c'est que Fabien Gaveau fait beaucoup de recherches et a beaucoup d'informations à nous transmettre, entre autres en Corse. Et ce travail-là nous permet, pour moi, d'avancer. Alors bien sûr, par rapport à ce côté historique, la pratique de la traction animale devient bien sûr évidente. Hein, en Corse, la traction animale a toujours été utilisée. Dans certaines régions, c'était plus les bœufs, dans d'autres, c'était les mulets. Bon, moi, j'ai choisi la traction animale avec des chevaux de trait qui n'étaient pas courants en Corse, mais bon, il faut évoluer. Mais ce que j'ai compris, c'est que avec ce travail, avec au départ en 2009 à peine 1 hectare, j'ai tout de suite compris que ça allait m'apporter autre chose. Je me suis rendu compte donc progressivement que le sol se transformait. D'un sol compact, dur et impénétrable, nous sommes parvenus à un sol aéré, léger et pratiquement labourable par n'importe quelle condition. Une bonne leçon à retenir de ce travail est qu'avec le cheval, on comprend que si, par exemple, le sol est trop dur, la charrue ne rentrera pas. Ou si également le sol est détrempé, le cheval aura du mal à tirer la charrue, qui aura tendance à beaucoup plus s'enfoncer. Alors, bien sûr, tout ça lié au principe de la biodynamie, en choisissant les périodes idéales, on peut se rendre compte que, comme par hasard, celles-ci correspondent au calendrier lunaire et est donc favorable à un bon labour. J'ai pu mettre en évidence également la rapidité et l'efficacité du travail au cheval par rapport au travail au tracteur. Je peux vous dire que j'ai fait des essais et la rapidité du cheval n'a rien à voir, surtout quand le cheval a travaillé déjà plusieurs années et que le sol s'ouvre très facilement. Ensuite, le troisième aspect aussi de l'animal, et pas des moindres, est bien sûr l'animal avec le végétal. Plusieurs personnes en ont parlé aussi tout à l'heure, mais cette symbiose, pour moi, est primordiale pour une agriculture durable qui, encore une fois, comme par hasard, était pratiquée par nos ancêtres. La polyculture élevage, c'est vraiment quelque chose que tout le monde pratiquait avant. Et bien sûr, sur le domaine, nous avons un troupeau de brebis à viande, des mérinos, qui sont en élevage extensif sur le domaine, et avec suivi bien sûr en biodynamie. Alors maintenant, de plus en plus, c'est la biodiversité qui prend de plus en plus d'importance sur le domaine, avec la prise en compte de l'environnement naturel, des haies, des arbres, la conservation de plantes aromatiques, médicinales, la lavande sauvage, l'immortelle, les figues de Barbarie. Tout ça, on commence à le découvrir et à comprendre que c'est ce qui va donner par la suite les parfums à nos vins. Et vous verrez que si vous faites des haies autour de vos parcelles, petit à petit, vos vins vont avoir, et entre autres, des racines. Mais vous savez que vous avez les exudats racinaires qui font des liens entre différentes racines
qui vont amener cette diversité qu'on a aussi par la pollinisation par les abeilles. J'ai aussi également observé l'importance de la vie dans le sol. Et comme vous allez le voir sur la prochaine diapo, j'ai fait un constat. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il parle de ça ? Vous savez qu'en Corse, surtout en tout cas chez nous, sur les arènes granitiques, les maisons ont toujours été construites en pierre. Mais à l'époque, comment les anciens cassaient la pierre ? Pas d'électricité, pas d'hydraulique, pas de pneumatique. Hein. Donc ils commençaient par faire un trou à la main. Hein, et ce trou, quand il était assez profond, ils enfonçaient un coin en bois. Et ce coin en bois, pendant l'été, quand il faisait très chaud, ils arrosaient. Et en fait, la dilatation du bois fracture le granit. Donc c'est une constatation. Il peut fracturer le granit sur quelquefois plusieurs mètres, parce que c'est comme ça qu'il cassait les grosses meules de pierre. Mais en fait, si on regarde dans la nature, si on remplace le bois par les racines, l'eau par la sève, et on se rend compte que dans un sol vivant, hein, et encore plus en biodynamie, mais vous avez les racines qui fracturent le granit et qui descendent. Là, c'est une prise de vue de la parcelle, juste au-dessous de la parcelle Montebianco, et vous allez comprendre le pourquoi je vous montre ça. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de très très intéressant, parce que je pense que avec cette diapo, on commence à comprendre aussi la problématique et peut-être les parades au réchauffement climatique et surtout à une alternative incontestable de l'irrigation. Alors, permettez-moi d'illustrer mes propos par ces deux photos que vous allez voir, montrant justement la parcelle Montebianco. Alors c'est une parcelle Montebianco parce que c'est une parcelle qui, quand je l'ai plantée en 92, j'ai arraché et replanté aussitôt. Je vous ai dit que pendant toutes ces années, j'ai fait beaucoup de restructuration, sauf que là, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que j'ai arraché, replanté. J'ai tout défoncé avec une grosse charrue, donc j'ai retourné les hémisphères. Et vous voyez, 8 ans après, donc en 2000, quand j'ai commencé la biodynamie, vous voyez le sol. Hein, c'est à peu près au même endroit, vous voyez 20 ans après. Donc ça, c'est pour vous montrer vraiment la capacité de régénérescence des sols et de la vigne grâce à la biodynamie. Et c'est vraiment quelque chose. Et donc ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est ce système racinaire. Ici, je suis persuadé que sous cette parcelle-là, j'ai une nappe phréatique éphémère et que régulièrement, la vigne, les racines ont fracturé le granit et que par capillarité, l'eau remonte. Parce que sur une parcelle comme ça, j'arrive à faire du 60 hecto-hectares, sans aucun apport. Alors, j'ai également découvert avec l'observation l'importance de la vie dans les sols. Et bien sûr, toujours animé par cette fameuse pensée historique, j'ai compris beaucoup, beaucoup de choses. Alors, donc, maintenant, je vais quand même un peu parler de ce qui a fait reconnaître notre travail et le domaine avec la naissance des cuvées collection. Donc c'est en 2006 que je me suis rendu compte de la richesse de tout ce travail qu'avait fait effectuer mon père et du potentiel des cépages corses. J'ai donc vinifié dès 2006 les premières cuvées collection en blanc avec donc la cuvée du Général, Biancone, Riminese, Pagadebiti, Rosso Labranding, Carcaiola Bianca et Vermentino. Et la cuvée diplomate, Bianco Gentile, Brustian, Genovese, Rosso Labianca et Vermentino. Vermentine étant commun aux deux, parce que j'ai voulu avoir un cépage de référence. Et donc, ce côté histoire, général, diplomate et par la suite ministre, en fait, c'est que j'ai voulu rendre hommage à mes ancêtres par rapport à ces cuvées, parce que s'ils n'avaient pas été là, je ne serais pas là pour vous en parler. Donc ça, c'était pour les blancs. Et ensuite, le rouge, c'est la cuvée ministre
donc avec les sept cépages, Morescola, Morescono, Aleatico, Carcaiolonair, Montanach, Chacarel et Nieluch. Lui, ça a été en 2007. La naissance de cette cuvée. Et très vite, j'ai eu une reconnaissance de ces vins, jusqu'à quand même une dégustation à l'aveugle au comité régional de l'INAO, où on m'a dit « Ah oui, c'est quand même extraordinaire !» Mais quand j'ai eu cette reconnaissance, vous avez compris que quand même les premières années de mon exploitation, de mon domaine, ont été assez compliquées. Et donc quand ça commence à marcher, vous vous dites ben, « ça serait bien si ça peut marcher encore mieux ». Donc je me suis dit « bon, il faudrait bien que je replante ces vieux cépages ». Mais je me suis quand même posé la question et j'ai dit « tiens, je vais quand même faire une analyse des différents critères de qualité et qui me paraissent indispensables pour faire ces vins. Alors bien sûr, il y a le terroir, ça je l'avais, les cépages, j'avais quand même cette collection à disposition, donc c'était extraordinaire, les façons culturales, avec bien sûr l'attraction animale, l'environnement climatique, ça bien sûr c'est quelque chose d'important, mais bon, on n'y peut pas grand chose, c'était un environnement par contre très favorable. Quelque chose d'évident pour moi depuis, c'est la biodynamie. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé et qui m'a dit, mais là il y a un vrai souci, c'est que je ne sais pas planter des vignes de 50 ans. Parce que pour moi, je me suis rendu compte qu'on ne fait pas les mêmes vins avec des vignes de 5 ans et des vignes de 50 ans. Et donc là, je me suis posé la question, mais comment je peux faire? Et donc je me suis intéressé à une technique que je n'ai pas du tout inventée, hein, qui a toujours existé, mais qui était à l'époque quand même beaucoup utilisée dans le monde entier, puisque les spécialistes sont les Mexicains, ça a été le surgreffage. Parce que grâce au surgreffage, en fait, vous pouvez greffer un autre cépage sur une vigne existante. Et donc vous perdez juste une année à ce moment-là. Et donc j'ai commencé, alors que, on va dire, tout ce qui était surgreffage, j'avais même collaboré avec, je ne sais plus comment il s'appelait, qui avait une société de surgreffage et qui venait en Corse, on m'avait dit, bon, on fait du surgreffage sur des vignes, 15 ans, 20 ans maximum. Mais là, je me suis dit, mais pourquoi pas plus vieille, pourquoi enfin, voilà. Et donc, moi, j'ai commencé à faire du surgreffage en 2009 sur des vignes de 30 ans, puis ensuite sur des vignes de 40 ans, 50 ans et jusqu'à sur des vignes de 60 ans. Le surgreffage, par contre, pratiqué sur le domaine, à l'inverse de ce que disait Lilian tout à l'heure, c'est un surgreffage qui, obligatoirement, est en cheap bud. Si vous faites du surgreffage en greffe en fente, c'est même pas la peine. Donc avec une seule année sacrifiée, comme je vous le disais, on a tout de suite de très bons résultats dès l'année suivante. Et la réussite fut plus que probante et m'a permis comme ça de recommencer d'augmenter mes superficies avec des vieilles vignes, mais avec des vieux cépages. Aujourd'hui, j'ai 4 hectares de vieux Carignan, Cinsault et Grenache qui ont été tous surgreffés avec à leur place de vieilles vignes de cépages autochtones. Alors ensuite, comme je vous disais, step by step, de cette expérience est née une nouvelle approche de la vigne et du cep sur le domaine. Alors, après observation, j'ai décidé d'appliquer cette méthode, non pas au surgreffage, mais tout simplement au greffage. Là encore, je n'ai rien inventé. Hein. C'est ce que l'on appelle du greffage sur jeune plan, sur plan américain. Donc en 2013, j'ai fait la première plantation de plants américains et ensuite j'ai choisi par contre le porte-greffe, comme je vous disais, par rapport au travail qu'avait fait mon père et par rapport à ce que j'ai eu comme observation et d'informations aussi des anciens. Et donc j'ai utilisé, alors qu'on préconise en Corse le 110 Richter, le 99 Richter, le 108 Paulsen, enfin, moi j'ai choisi le Rupestris du Lot. Et donc dès 2016, les premières greffes démarrèrent avec de très bons résultats. Depuis, nous sommes à 3 hectares plantés en américain.
Un hectare à aujourd'hui qui est enraciné et qui va être greffé par la suite. Alors sur le même principe, et bien sûr toujours par rapport à ces observations de la vigne, il y a quelque chose qui m'a paru vraiment intéressant. Ça a été, et ça suit la logique, on va dire, du surgreffage, du regreffage, c'est le recépage. Le recépage de la vigne en fonction du développement et surtout en fonction des différentes variétés, on va avoir plus ou moins de facilité à avoir un œil qui ressort et qui va repartir du pied. Donc cette information, en la croisant avec celle donnée par la biodynamie, parce que vous savez que pour nous, en tout cas pour moi en biodynamie, toute la partie extérieure est la plante. Tout ce qui est dans le sol et les racines en font partie, c'est le sol. C'est pour ça que d'ailleurs on a des traitements en plein hiver de biodynamie pour remettre de la vie dans le sol, pour régénérer les sols, pour accompagner le sol. Alors qu'on a des traitements aussi pour la plante. Et là en fait je me suis rendu compte qu'avec ce système de recépage, eh bien en fait on pouvait régénérer la plante. Et c'est ce que je pense les anciens faisaient, puisque je me suis inspiré là-dessus aussi des informations que m'avait donné Fabien Gaveau, qui me parlait qu'en Corse, il y a des écrits où on parle de vignes de 200-300 ans, à l'époque. Donc c'est sûr que c'était forcément en franc de pied, ça c'est évident, mais malgré tout, pour que ces vignes arrivent à tenir 200 ou 300 ans, c'est que régulièrement, elles étaient recépées. Parce qu'on sait très bien que toute la partie extérieure, c'est là aussi qu'on a alors les influences, on va dire, humaines, avec maintenant chez nous les traitements, avec par contre, c'est là aussi qu'on a les influences du cosmos. Et c'est là que la plante, on va dire, est la plus touchée, et la plus impactée par ces influences. Donc c'était quelque chose pour moi de très important. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Et donc j'ai compris que la régénérescence de la plante pouvait éventuellement aussi me débarrasser de certaines maladies telles que l'esca, les maladies du bois. Parce qu'en fait, pour moi, la vigne est une pompe avec des racines qui sont dans le sol, qui sont les tuyaux d'aspiration. Et les gourmands, les sarments, les bois de l'année qui vont être les tuyaux d'expiration. Mais cette pompe, il faut qu'elle fonctionne. Et vous comprenez, pour qu'elle fonctionne, il faut aussi qu'il y ait des racines. Parce que si vous n'avez pas de racines, la pompe, s'il n'y a pas de tuyaux d'aspiration, elle ne peut pas fonctionner. Et donc, c'est quelque chose que j'avais déjà entamé à l'époque avec, entre autres, Gilles Salva qui est par là, du Centre de Recherche Viticole de Corse, avec une expérimentation qu'on a fait pendant 15 ans sur une parcelle expérimentale avec un suivi sur ces fameuses maladies du bois et surtout sur l'ESCA. Et donc après 15 ans, c'est pas moi qui le dis, c'est les résultats, nous avons eu des résultats extraordinaires. Alors qu'au départ, nous avions plus de 30% de symptômes d'ESCA, parce que vous savez que les maladies du bois et particulièrement l'ESCA, ce sont des symptômes qui apparaissent et ensuite la maladie va se déclarer ou pas se déclarer. Suivant les années, elle peut ne pas se déclarer. Donc le plus important, c'est en fait, c'est les symptômes. Alors que donc, on avait 30% de symptômes d'ESCA au départ, 15 ans après, on a constaté une très forte diminution allant jusqu'à moins de 1% de symptômes. Donc suite à ce constat, j'ai mis en application depuis maintenant 2-3 ans sur l'ensemble de mon domaine ce que j'ai appelé l'appel du pied. C'est-à-dire que les tailleurs, tous ceux qui interviennent sur la vigne, ont comme consigne, à chaque fois qu'ils voient un œil repartir du pied, de le garder. Et celui-ci, en fait, après quelques années, va être régénéré, décapité. On se sert à la base du cep comme tuteur, et ensuite on décapite et on régénère la plante. Mais ce qui se passe, et pourquoi les maladies, en fait, ont beaucoup moins d'emprise sur mes vignes, c'est qu'en fait, vous réduisez les canaux de sève et vous rétablissez les flux de sève et les débits de sève. Et ça, c'est pour moi très important. Je l'ai remarqué. Et donc, c'est ce qu'on fait maintenant en permanence sur le domaine. Alors, de tout ça, j'en ai fait quand même une petite synthèse et je me suis
poser quelques questions qui, je pense, tout le monde dans le monde agricole devrait se poser. C'est: plantons-nous dans les bonnes zones? Plantons-nous les bons cépages? Pratiquons-nous le bon greffage, porte-greffe, raciné, sous-dégreffé? Et quelque chose aussi qui est, comment, pratiquons-nous bien sûr la bonne agriculture, je parle là évidemment de la biodynamie, hein, et mettons-nous en place les bonnes tailles. Donc je vais vous en parler maintenant, parce que c'est pareil, quand on regarde comment les anciens travaillaient, mais on se rend compte que la taille en palissé, c'est quelque chose de très récent. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est important. Et par exemple, dans ce travail de mon père et des techniciens de l'époque, on avait cherché à comparer le palissé et le gobelet. Alors aujourd'hui, on ne parle plus que du palissé en Corse. Et donc, c'était important parce que, en fait, on se rend compte que le gobelet a toujours existé en Corse. Et c'est vraiment, pour moi, pour le commencer à l'expérimenter, la taille adaptée pour le futur, pour le réchauffement climatique des vignes. Et donc, avec l'action de la biodynamie, on s'est rendu compte, là maintenant, bon, j'ai tendance à dire quand même que c'est vrai qu'on est vraiment en biodynamie au bout de 10 ans. Après, chaque année qui passe, on va se rendre compte des informations que va vous donner la vigne. Ce que disait tout à l'heure Paul-Antoine, justement, que ça montre que vous êtes sur le bon chemin. La nature est toujours là pour vous le montrer, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, au bout de 10 ans, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, avec donc l'action de la biodynamie, donc les racines, comme je vous ai montré, plongent de plus en plus en profondeur. Donc la vigne est beaucoup moins impactée par le réchauffement climatique, par la chaleur. Par contre, ce qui pose un vrai problème, et nous on le voit bien dans le sud de la Corse ou dans les zones plutôt granitiques, où un des cépages maîtres, c'est le chacarello, hein, on a un vrai problème du soleil sur les grappes. Et vous savez, quand on regarde, quand on est sur la plage et qu'il fait très chaud, parce que vous avez les rayons du soleil qui tapent, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un parasol. Et bien pour moi, le gobelet est en fait le parasol de la vigne. Et c'est vraiment quand le soleil est au zénith qu'il est le plus chaud, qu'il est le plus fort. Et donc le gobelet avec son feuillage en parasol est pour moi la bonne alternative pour l'avenir. Alors maintenant, je vais vous parler des dernières expériences que nous faisons sur le domaine. Toujours pareil, avec l'information et avec la relation que j'ai très étroite avec Fabien Gaveau, c'est que en Corse, comme je vous ai dit, la vigne a toujours existé. C'est un fruit, c'est une boisson énergisante, c'est transformé, c'est de l'eau de vie, c'est de la pâtisserie, c'est énormément de choses. Mais, comme je vous ai dit, c'était une agriculture, pour moi, que je considère de jardinage. C'est-à-dire que tout le monde avait son petit lopin de terre parce que les supermarchés n'existaient pas à l'époque, hein, et qu'on ne pouvait pas aller acheter sa bouteille de vin ou son cubi. Donc, il fallait bien planter. Mais c'était quelque chose, même les enfants, à une certaine période, pouvaient boire du vin coupé avec de l'eau parce que l'eau n'était pas potable. Parce qu'il y avait énormément d'élevage en Corse. Et quelquefois, ben, l'élevage faisait que l'eau n'était plus potable. Donc le vin, le raisin, la vigne était indispensable. Mais malgré tout, on constate quand même qu'il y avait des zones, et ici la région de Corte-Pontelletge en est un exemple. C'est toujours, je parle sous le couvert de Fabien Gaveau qui m'a expliqué tout ça, qu'il y avait énormément de vignes. Au XVIIe siècle, Corte-Pontelletge, c'est 1500 hectares de vignes. C'est énorme. Hein. Et et d'autres endroits aussi où il y avait énormément de vignes, c'était en bord de mer. Alors, c'est vrai qu'on se dit, bah oui, en bord de mer, pourquoi pas, mais enfin bon, avec le sel, c'est quand même, bon, ça c'est une chose, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le seul risque qu'on avait quand on habitait en Corse et quand on habite sur une île, c'est les invasions maritimes. Donc aller planter en bord de mer, c'est qu'il fallait vraiment que ça en vaut, ça en vaille le coup. Donc je me suis un peu mis à la place des paysans, des vignerons de l'époque, et que je me suis dit qu'il y avait quand même derrière tout ça
un aspect sanitaire. C'est qu'ils se sont rendus compte que la vigne poussait mieux, que la vigne avait moins de maladies. Et donc, j'ai commencé en 2015 à démarrer une expérimentation sur une toute petite parcelle de Carcaillolonnerre, surgreffée bien sûr, hein, et où j'ai commencé un traitement uniquement avec de l'eau de mer pour lutter contre différentes maladies, entre autres mildiou et oïdium. Et j'ai décidé à ce moment-là, sur cette parcelle-là, de ne plus utiliser ni soufre ni cuivre. Alors, pour moi, j'ai voulu quand même associer à ce côté, on va dire, historique d'information que je pouvais avoir grâce à Fabien Gaveau, c'est que j'ai voulu associer à ça tout le bon côté, pour moi, le bon aspect du XXe siècle, c'est-à-dire la biodynamie. Hein. Et donc, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas essayer de dynamiser cette eau de mer ? Vous savez que le principe de la dynamisation, c'est de bien sûr mettre de l'eau dans un cuvon, de commencer à la faire tourner, de créer un vortex. Et ce vortex, quand il arrive à une certaine profondeur, on l'arrête et on repart dans l'autre sens. Et c'est le principe même de la biodynamie, c'est de dire du chaos naît la vie. Et en fait, on va multiplier de façon exponentielle la vie. Là, en l'occurrence, j'ai multiplié de façon exponentielle tous les bienfaits de l'eau de mer, et pas que du sel. Avec tout ce qu'il y a aussi comme micro-éléments et oligo-éléments. Donc ça a été bien sûr, tout en faisant ces traitements, je n'ai pas abandonné les traitements en biodynamie, je n'ai pas abandonné les tisanes, les décoctions qu'on pratique depuis 20 ans maintenant sur le domaine. Donc j'ai bien sûr continué tout ça. Et également cette parcelle-là est travaillée au cheval, parce que bien sûr j'ai aussi évolué sur la traction animale sur le domaine, avec aujourd'hui quand même sur cette parcelle-là 10 ans de recul sur la traction animale. Hein. Donc nous avons depuis aussi réalisé, et là aussi c'est pareil, j'ai de plus en plus un partenariat avec Margaret Chappell, qui est ici parmi nous, que je remercie aussi, sur un travail de prélèvement de rameaux pour permettre des examens en cristallisation sensible. Hein. Et comme vous pouvez le voir sur les interprétations de Margaret, on voit que pour l'année 2017, donc c'est là, ça a été la première année où je vous ai dit 2015, mais ça a été, excusez-moi, 2017, hein. On voit pas de marqueur de maladie. Pour l'année 2018, un système immunitaire performant. Et enfin, pour l'année dernière, une efficacité pleine et entière des traitements, c'est-à-dire des traitements de l'eau de mer. Hein. Ces résultats sont étonnants. Alors là, c'est corroboré par Margaret, mais nous aussi, sur le domaine, on s'est rendu compte de choses. C'est que c'est la parcelle qui réagit le mieux aux interventions des traitements de l'eau de mer. Hein. Elle ne fonctionne plus sur la puissance, mais sur l'élégance. Les résultats sur les baies devraient être en plus corrélés, c'est ce que nous dit Margaret, sur la complexité et la finesse. Donc tout ça, ce suivi sur la parcelle, nous indique une très bonne qualité du feuillage, presque exubérante. On a des feuilles pour un carcaillol qui sont énormes. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que comparativement au reste des vignes du domaine, 20 ans de biodynamie quand même, c'est une exceptionnelle qualité des baies et de la prune. Vous savez que la prune est très importante, parce que c'est dans la prune que vous allez avoir par la suite le développement des levures, et aussi c'est grâce à la prune que vous allez avoir la création et la formation du SO2 naturel dans le vin. Et donc, ce qui a aussi été la troisième constatation pour moi très importante, ça a été l'ahoutement des bois, qui est beaucoup plus précoce sur cette vigne-là que sur tout le reste des vignes. Vous savez que, toujours pareil, quand on reprend un côté historique, comment les anciens disaient, une vigne qui ahoute bien fait ses réserves pour l'année d'après. Et en fait, c'est sûr que c'est tout à fait logique. Vous savez que l'ahoutement, c'est la lignification du bois, le mûrissement et bien sûr la descente de sève. Alors, soit dit en passant, encore faut-il avoir des racines pour que la sève puisse redescendre dans les racines. C'est quelque chose pour moi de très important.
Et donc, pourquoi on parlait d'ahoutement des bois? C'est qu'en fait, ce démarrage du mûrissement du bois commençait au mois d'août. Et chez moi, alors que tout le domaine est en biodynamie depuis 20 ans, la seule vigne qui commence vraiment son ahoutement au mois d'août, c'est cette parcelle-là. Donc c'est vraiment très intéressant et à suivre. Et donc cet essai me semble à aujourd'hui primordial pour la diminution, voire l'annulation des doses de soufre et de cuivre. Et donc très intéressant pour l'avenir. Donc au fur et à mesure des années, à aujourd'hui, nous adaptons le protocole en fonction de la pression des maladies, c'est-à-dire qu'on va augmenter la fréquence, on va peut-être regarder les doses, si on réduit un peu la dose de sel, d'eau de mer ou pas. Hein. Mais ce qui nous a permis à aujourd'hui de nous conforter et d'augmenter maintenant les surfaces avec un hectare supplémentaire de chacaril qu'on va commencer en 2020. Hein. Et en 2019, donc les dernières vendanges, je suis même allé jusqu'à la réalisation d'une cuvée qu'on va goûter tout à l'heure. Vous allez être les premiers à la goûter. Alors maintenant, je voudrais parler de l'avenir pour tous les jeunes qui sont là, nos successions. Hein, et c'est très important pour moi déjà la biodynamie. L'avenir ne peut pas se faire sans la biodynamie. Ça, c'est quelque chose d'évident. Hein. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Je pense que, et c'est pour ça qu'on a commencé un travail aussi d'une plantation haute densité, 7000 pieds hectares, sur une pente à 30%, plantée en porte-greffe, en rupestris du Lot. Hein. Et cette vigne donc, fera l'objet d'un greffage l'année prochaine. Hein. Et elle est complètement travaillée au cheval. Et il va subir durant toute sa vie, elle ne sera traitée que avec de l'eau de mer. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour l'avenir. Et puis bon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis plein d'espoir et plein de recherches, et entre autres, grâce à mon ami Bertrand Cervera, qui est un grand violoniste reconnu, nous avons démarré une expérimentation sur la parcelle justement Montebianco, qui depuis 3 ans, toutes les interventions humaines sur cette parcelle se font en musique. Et donc, avec ces interventions humaines en musique, j'ai voulu donner, on va dire, une forme de danse au végétal, et je compte bien donner un aspect vibratoire à mes vins. Donc, je voulais bien sûr vous remercier tous les gens qui travaillent autour de moi, mes nouveaux collaborateurs Lidéric et Tom, qui sont là aussi avec nous. Et je voulais vous dire aussi que je crois en l'avenir, car je crois en la nature, et pour moi, quand on fait un pas vers la nature, elle en fait 10 vers vous. Bon.